Bonjour, je suis heureux de vous retrouver en direct de la cuisine Pink Lady. Je m'appelle Stefano Binda et je suis le chef cuisinier du restaurant da Catra de Castello Brianza, l'Eco. Aujourd'hui, je vous présente la recette de caille tiède en salade compotée de pommes Pink Lady et croquant aux graines. J'ai utilisé la pomme Pink Lady car elle a une teneur en sucre très équilibrée qui la rend unique en son genre. C'est pourquoi elle s'adapte très bien aux différentes préparations culinaires, aussi bien sucrées que salées. Pour réaliser cette recette, il vous faudra les ingrédients suivants. Pour la compotée de pommes, 2 pommes Pink Lady, 1 cuillère à café de moutarde à l'ancienne, 1 cuillère à café de vinaigre de pomme, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, 1 cuillère à café de jus de citron, du sel et du poivre. Pelez et nettoyez le cœur des pommes. Puis coupez-les en petits morceaux. Mettez-les dans un bol avec le jus de citron et fermez hermétiquement avec un film de cuisine. Faites cuire au micro-ondes pendant 15 minutes. Séparez le liquide de la pulpe et concentrez-le jusqu'à obtenir environ 40 g de jus de pomme. Réservez. Mettez la pulpe dans un verre, puis montez avec la moutarde à l'ancienne, le vinaigre de pomme et l'huile à l'aide d'un mixeur. Salez et poivrez. Pour le croquant aux graines, vous aurez besoin de 125 g de glucose, 125 g de sucre de canne, 40 g de jus de pomme Pink Lady, 150 g de beurre mou, 45 g de pignons de pin, 45 g de graines de sésame blanc, 90 g de graines mixtes, tournesol, citrouille. Mixez les différentes graines ensemble. Faites bouillir le jus de pomme, le glucose et le sucre de canne. Retirez du feu. Ajoutez les graines en poudre. Remuez bien avec une cuillère. Incorporez le beurre. Remuez à nouveau. Laissez refroidir afin de pouvoir rouler de petits bâtonnets de 20 g chacun dans la paume de la main. Étalez-les en bandes sur un tapis en silicone. Et cuisez au four à 180 degrés jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Enroulez-les encore chaudes sur des cercles pâtissiers. Réservez au sec. Pour le dressage, il vous faudra 4 demi-poitrines de caille, une branche de thym, une cuillère à café de poudre de céleri, une cuillère à café de graines de coriandre, des herbes sauvages et aromatiques. Dans une poêle antiadhésive, chauffez l'huile d'olive et faites dorer les poitrines de caille avec le thym côté peau pendant 5 minutes. Retirez du feu et attendre 2 à 3 minutes avant de les retourner afin que la chaleur termine la cuisson en douceur. Gardez au chaud. Pour l'accompagnement, assaisonnez du mesclun avec de l'huile d'olive, des graines de coriandre et de la poudre de céleri. Émincez les poitrines de caille en tranches biseautées. Pour le dressage, placez la tuile croquante au centre de l'assiette. Ajoutez la compotée de pommes, les émincés de caille en alternance, puis disposez le mesclun. Rajoutez quelques petites quenelles de compotée. Bon appétit à tous. Vous trouverez toutes nos recettes exclusives sur pinkladyeurope.com.